Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour la toute première vidéo, je sais pas si j'appellerais ça une série, où The Kyrie 78 vient à la maison pour que je l'entraîne. Alors là je vais le chercher à la gare, il vient d'arriver je pense, et franchement il est pas prêt. J'ai échangé quelques messages avec lui et il a vraiment l'impression que ça va être une petite semaine de tourisme, mais là il sait pas que j'ai prévu de lui faire déjà dès qu'il va arriver une épreuve ultra difficile que j'appelle le Mont Everest. Et franchement ça risque de lui faire tout drôle. Je pense que ça va être vraiment une semaine, enfin 5 jours qui vont être vraiment épiques. Regardez-le, il arrive en mode touriste. Il sait pas qu'il va souffrir. Il sait pas qu'il va chialer. Il sait pas qu'il va me supplier d'arrêter de le faire travailler. Bon voilà, je suis avec ma victime. Ça va être ma victime pendant 5 jours. Il va subir mon entraînement. Donc comment tu te sens? Je me sens pour l'instant confiant. Confiant. Ouais, parce que t'es là. Voilà. Mais crois-moi, quand tu vas voir ce qu'on va gravir aujourd'hui, tu vas être un petit peu moins confiant, ne serait-ce que quand tu vas commencer à le regarder de haut. Parce que clairement, pour ceux qui connaissent les Rouennais, la monumentale, elle s'appelle pas la monumentale pour rien. Elle est vraiment, vraiment monumentale cette pente. Donc du coup, on va faire ça. On va aller gravir donc justement ce que moi j'appelle le Mont Everest. Donc l'idée, c'est d'y aller en courant jusqu'à ce que tu puisses plus. Récupérer en marchant, repartir en courant. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a negro. Half breed motherfucker grip the mic and he flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn. You evil and just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never busting in them streets, but I keep it Jeep though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem. Alors Jawed, t'en veux de ça là? Est-ce que t'en veux? T'en veux du McDo? Ça c'est pour que je récupère tout ce que j'ai perdu là? Ça sert à rien. Bon en tout cas, Karim, on sait que ça c'est calorique. Ouais. Mais là ils ont enlevé la moitié. Et bon Karim, wesh. Il y a moyen quoi. Il y a moyen tu vois de récupérer, tu vois. Putain. Non, je peux te dire que là pendant cette semaine, McDo tu peux oublier. Ouais. Mais t'inquiète, je suis sûr que tu vas kiffer ce que tu vas manger, même si ça va être peu calorique. Bon, je viens de finir ma séance. Le mont je sais pas quoi. Je me sens épuisé. Je le ressens que cette perte de poids, tu vois, elle est enlevée en moi. Et c'est pour ça pendant le footing. J'ai senti cette légèreté en moi et j'ai l'impression d'avoir été une plume. Même si au plus profond que moi, je sais que je reste un sac à patates. Mais là, le fait d'avoir eu Karim derrière moi, c'est comme si on se parlait pas. C'est comme si, sans qu'il me parle, il me disait allez. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Pour ça, j'avais comme ressenti un coup de vent derrière qui me propulsait vers l'avant. Et voilà, heureusement Karim est là aussi. Heureusement. Bon, on vient de finir justement le Mont Everest. J'aurais vraiment cru qu'il allait plus galérer que ça. Et pour le coup, non, il a été, je dirais pas qu'il a été à l'aise. Mais il a quand même gravi le Mont Everest en étant relativement bien en haut. On aurait pu imaginer qu'il vomisse, comme c'était le cas par exemple à Las Vegas. Du coup, les courses, ça sera pour demain et tout ce qui est repas avec Ipex sera aussi pour demain. Je pense que du coup, on va rentrer, installer ton setup pour que tu puisses stream ce soir. Ouais. Et voilà, après on verra ce qu'on pourra faire derrière. Mais déjà, la première séance de la journée, franchement, tu t'es bien débrouillé. Mmh, merci. Bon, là, c'est le moment plaisant là. Là, on mange. Donc tu manges quoi? Tu manges du riz. Du riz. Avec du poulet. Poulet et une sauce un peu indienne. Une sauce indienne. Mais très peu calorique. Voilà, très peu calorique, on a regardé. C'est sain. Voilà. Là, c'est vraiment sain. C'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit ouais, un plat avec de la sauce, c'est pas forcément bon. Alors, c'est vrai que c'est mieux sans sauce. Mais là, c'était vraiment pour accompagner le poulet. Et en fait, on a regardé la composition de la sauce, c'est vraiment extrêmement bonne. Alors, les potes, j'ai installé le petit setup pour Jawed qui est juste ici. Donc, ouais, vous savez, hein, mon setup il est là. Et celui de Pingy est ici. C'est vrai que ça fait un moment que vous me demandiez une vidéo gaming room, une vidéo setup. Mais c'est vrai que
cette gaming room là, elle est pas forcément décorée comme je l'aimerais, elle est pas agencée comme je l'aimerais. C'est vrai qu'elle est quand même relativement petite par rapport à mon ancienne gaming room, mais voilà. Du coup voilà, il est quand même installé, donc vu qu'il voulait continuer à stream même ici. Ensuite ce soir, donc séance de muscu, là à mon avis il va souffrir. Si ce matin il était un petit peu à l'aise on va dire, ce soir il risque de prendre un peu plus cher. Et d'ailleurs si je me souviens bien, à Las Vegas quand on avait fait une séance ensemble, ce qui lui avait fait le plus de mal, ce n'est pas forcément le cardio, mais c'était vraiment la muscu. Direction salle de sport, donc il est 21h. Direction McDonald's, ouais. Non, tu rêves mon pote. Là, direction muscu. En fait, ce matin, on a fait du cardio. Là, on va faire de la muscu. Donc, on va sûrement faire un full body. C'est-à-dire, en gros, je vais lui faire travailler tout son corps. L'idée, c'est pas en une semaine qu'on va lui développer sa masse musculaire, mais c'est vraiment de le retonifier un petit peu. Pour le repas, on a pris une petite collation. J'ai oublié de la filmer. On a pris une petite collation. On a pris un cheeseburger et un Big Mac. Voilà. Franchement, il dit ça, mais je vous jure, il est tellement sérieux dans son alimentation. Tout à l'heure, je lui ai proposé donc un booster. Qu'est-ce que c'est un booster? C'est tout simplement, en gros, une boisson qui vous permet enfin, de vous donner un petit coup de fouet pour avoir la séance de muscu. Regardez, il paye qu'elle en prend. Et du coup, je lui ai proposé ça. Il me fait, hey mec, il n'y a pas des calories dedans, il n'y a pas du sucre, hein, c'est pas sucré. Hein. Et je veux pas grossir, hein, mec, vas-y, je veux pas grossir. Il est à fond, les gars. Il est à fond. Toutes les personnes qui ne croient pas en lui, croyez-moi, il est à fond. Moi, je croyais qu'il allait venir en mode un petit peu touriste. Clairement, il n'est pas en mode touriste. Clairement, il est en mode, il veut avoir des résultats. Et je vais l'y aider. Touche à moi, il va devenir un BG en fait. Il a dit qu'il voulait pêcher un max de meufs. Non, non, ah, ce sera coupé au montage. C'est bien. Allez, vas-y. Mais non, allez. 10. Allez. 11. Allez, la dernière. Allez, la dernière. Allez. 12. Génial. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Donc, on prend tes jambes. Allez. Vas-y, aide-nous. Tout ça. Allez, une. La deuxième. L'autre. Lève votre main. Voilà. T'es accroché, écarte les jambes, Voilà. Tu peux le relâcher, je suis là. Et confiance en moi, relâche-toi. Voilà. Non, je suis là. Bon, là, je te lâche pas. S'il vous plaît. Voilà. Regarde. Je te tiens, arrête de paniquer. Voilà, détends ton dos. Voilà. Tu veux que je fume de l'autre côté? Non, c'est bon. Souffle bien. Voilà, détends-toi. Je te tiens, je lâche pas, tu vois bien que je suis encore autour de toi. Voilà. Ouais. Ça fait du bien? Laisse-la, détache. Voilà. Salut tout le monde, enfin re-salut. Ouais, écoutez, on est là dans la salle de sport. J'ai eu la chance d'être invité par Karim dans cette salle de sport. Et puis il m'a vraiment fait souffrir. Et surtout le truc de ouf, et c'est qu'il fallait rester agrippé, les jambes en l'air. J'ai fait une crise d'angoisse. La nuit dernière, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai vraiment eu peur. Mais voilà, ça s'est bien passé. Puis je pense qu'il est aussi entouré de bonnes personnes. Il est avec des copains et tout ça, avec sa femme. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt rassurant. Mais voilà, franchement, pour le premier jour, le premier jour m'a vraiment fait galérer. Mais voilà. Je me sens bien, tu sais. Je ressens que je commence à débloquer un peu mon souffle. Parce que voilà, je suis pas trop essoufflé non plus comparé à avant quand on était à Los Angeles. Mais voilà, tout se passe bien et l'essentiel c'est que tout se passe bien et qu'il soit derrière. Parce qu'il sait ce qu'il fait et puis voilà. Voilà, ciao ciao. Bon, le repas de ce soir, donc haricots verts avec du riz, avec du poulet. Alors, comment s'est passée ta journée? Bah écoute, intense, surtout la dernière, je crois, j'étais limite en train de chialer.
Mais ouais, tout ça, ça m'a donné vraiment faim. Et puis là, je pense que c'est juste le début. Ouais, le reste à venir. Non, je pense que là, c'est le début. Tu as du mal à gérer le rythme. Et après, ça va aller beaucoup mieux. Mmh. Est-ce que ton repas te donne envie? J'ai pas l'habitude, mais oui, il me donne envie parce que je sais que Hypek, elle cuisine super bien. Donc oui, ça me donne envie, mais j'ai pas l'habitude de manger ça. Pourquoi? D'habitude, tu manges quoi? Bah, d'habitude, je prends que les choses à emporter. Mais là, le fait que ça soit devant moi, préparé en plus avec soin, donc ouais, ça me donne envie, mais j'ai pas l'habitude de faire ça chez moi. Donc c'est pour ça que. Demain, de toute façon, on ira faire des courses et justement, tu vas aller un petit peu cuisiner. On va te voir derrière les fourneaux. Ah, enfoiré, tu m'as dit qu'on est au drive, enfin McDo. Ah ouais? Je sais pas si. Toi, t'essayes de à un moment donné de te placer. Allez, bon app. Bon app, merci. A few minutes later. Alors, je crois que The Kairi avait très très faim. Ah ouais, je crois vraiment que t'avais une faim de loup. Ouais. Regardez où j'en suis, et pourtant j'ai la réputation de quand même de manger très vite. Alors là, tu m'as juste dépassé à une vitesse. T'avais la à fond en fait. Ouais, vraiment, ouais. C'est ça quand on fait des activités, une activité physique plus que soutenue. J'ai même pas savouré, j'ai même pas dégusté.